Power on. Alors, vendredi 8 octobre de l'année 2021. Je vais dorénavant commencer les vidéos par sérieux. Quand j'ai quelque chose de sérieux à dire, et gag, quand ça commencera par wesh, les petits loups, les gouttes. Voilà, nous sommes quelques-uns, dont Étienne Chouard, j'ai jamais eu au téléphone, Didier Lagasse de Lost, que j'ai eu l'autre jour, une quinzaine de minutes au téléphone. À essayer de changer le monde. Philippe Stocker. Je suis un ancien, toujours encore pilote de moto de trial, victime de psychiatre qui j'ai failli faire mettre fin à mes jours à cause de saloperies de médicaments. Alors il faut bien comprendre que tout ce petit monde se tient. La mafia c'est pour ça que Mediapart dans sa pub YouTube à qui appartient votre journal. Et puis donc on voit les armes qui passent, et on voit aussi l'industrie pharmaceutique, les médocs qui passent et tout ça. Et donc ça a entraîné une situation pécuniaire que tout le monde connaît. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé au niveau pécuniaire. Je tiens à préciser que tout le monde sera remboursé. Cette maison, en tout particulier, tout particulièrement Paul, pas Paul, donc il se remettra. Cette maison, que j'ai appelée la maison de la résistance, parce que j'y ai gardé dans les clouds chiffrés comme Gaspard Glens de Taranis News, que j'ai jamais rencontré, mais je sais qu'il est de Strasbourg, qui fait une connerie, parce que, à mon avis, il faut pas se chamailler avec les flics, quoi, c'est des exécutants. Voilà. Donc, ils exécutent les ordres qu'on leur donne d'en haut, et en haut, on sait qui. Hein. Je parle pas de tout en haut, je parle de, on va dire, le ruissellement. Voilà. Alors, il y a aussi François de Simmental, que j'ai quelquefois en ligne, donc qui est un banquier qui a décidé de parler, qui habite à Lausanne, à qui je passe aussi un coucou. Voilà, donc Étienne Chouard qui dit la chose suivante. Le chômage est une construction politique. Les gens ont très peur d'être au chômage. Il explique que les gouvernements ne luttent pas contre le chômage, ils luttent contre l'inflation. Ils en ont rien à péter, que vous soyez au chômage. Je passe aussi un coucou au docteur Laurent Alexandre, qui me suit là, à l'heure actuelle sur Twitter, voilà. Avec qui j'ai communiqué l'autre jour. Il m'a répondu par un petit smiley. Je lui ai répondu, Georges Carlin. This is a symbol, and I live symbol to the simple minded. Du coup, il a décidé, je me doute bien que Dr. Laurent Alexandre a d'autres choses à faire que d'écouter ce que radote Philippe Stocker. Et surtout, je tiens à lui amener tout mon soutien par rapport aux conférences qu'il donne dans le monde entier et ce qui a été mal interprété par les gilets jaunes quand il parlait des inutiles. Laurent Alexandre justement interpelle les GAFA, les grands de ce monde qui sont en train de contribuer à ce chômage dans le sens où tout va demain être tout ce qui est d'ailleurs, dans mon monde de l'auto-école aussi, il y a maintenant les robots. On va être dans un monde qui va être. On va complètement être servi par des robots. J'ai même vu des pizzas, fabrication de pizzas par des machines, par des robots, etc.
Alors, pourquoi pas ? Le problème, c'est que qui va diriger ces robots ? Qui va dire, bon, bah, tu vois, le robot, il va terminer telle et telle prestation. Parce que le robot, tôt ou tard, on va devoir le payer. Hein. Emmanuel Macron est en train de détruire la sécurité sociale, comme dit Étienne Chouard. Quand Bruno Le Maire dit qu'il va supprimer les charges des entreprises, c'est comme si vous disiez qu'il va supprimer votre salaire. Et demain, on va arriver au système américain, c'est-à-dire vous devrez payer vous-même. Si vous arrivez quelque chose, vous devrez trouver vous-même les fonds. Voilà. Donc, ici, j'ai tous les enregistrements d'huissiers qui ont fait ce qu'on appelle des tentatives d'extorsion de fonds. J'avais demandé une protection juridique, donc une mise sous curatelle, quand j'étais couché ici sur un canapé, pensant mettre fin à mes jours. Et donc, je me suis dit, je vais demander protection à la justice. La justice à nommer. Dans un premier temps, j'ai demandé à ce que ce soit mon ex-épouse qui assume ce rôle. Et ensuite, heureusement que la juge, parce que j'ai commencé à me méfier, la juge m'a mis à l'époque sous curatelle simple ou bien, ce qui me laissait la possibilité de porter plainte, entre autres. Et bien entendu, il y a trop de trucs à raconter. Ce que je veux dire, c'est que c'est énorme, les lenteurs de l'administration dans ce pays, c'est quelque chose de c'est incroyable. Voilà, pour en revenir à ce que dit Étienne Chouard, Étienne Chouard, il dit quelque chose qui est très vrai. Il dit, le chômage terrorise la population. Et il dit que le gouvernement fait semblant de nous protéger. Il dit très exactement, c'est la méthode de la mafia historique. C'est la même personne qui se prétend être le protecteur et c'est la même personne qui terrorise. Voilà. Et il dit c'est la méthode de la mafia historique et c'est la méthode de nos gouvernements. Voilà, donc... plus rien à dire. Si, peut-être que ma mère, à l'époque, quand elle était encore vivante, elle me dit, je sais énormément de choses, elle m'a dit, mais tu n'as pas peur d'aller en prison. Et donc, là, je passe un coucou à Vincent Fontaine, qui est un ancien expert, psychiatre expert de la crime, avec qui je me suis entretenu encore il y a 2-3 mois. On a parlé notamment du cas Omar Haddad, dans l'histoire Omar m'a tué, où je lui ai dit, puisque donc il a vu que c'est le monsieur qui m'a levé la curatelle, je l'ai peut-être déjà dit, mais bon, parfois. Donc là, Ghislaine Marchal, qui a été assassinée, on a retrouvé dans le sang de Ghislaine Marchal, donc assassinée dans l'histoire Omar m'a tué, de l'ADN qui n'est pas celui d'Omar Haddad, et qui par définition ne peut être que celui de l'assassin, donc j'ai dit à Vincent Fontaine, Omar Haddad est innocent, je ne sais pas s'il m'a répondu, il ne veut certainement pas avoir d'emmerde. Alors la question que je repose à ces experts psychiatres, pourquoi ne dites-vous pas que le bordel qu'on a ici, drogue, alcool, tout ça, ça vient du Big Club, comme dit Georges Carlin, qui... à la place de montrer à la télé des Santa Barbara, des L'amour est dans le pré, puisqu'en fin de compte, le selfish, arrogant and ignorant citizen ne sait que reproduire ce qu'il voit. Et donc il fait du copier-coller, et si on lui montre des histoires où ça se tire dessus avec des pétards, ça se bourre la gueule, ça, des viols, des machins comme ça, bah, il va reproduire ce qu'il voit, tout bêtement, comme un enfant. Voilà, donc le problème vient de du Big Club, c'est-à-dire c'est les 1% des gens qui détiennent 57% des richesses du monde. C'est ce que dit Georges Carlin, il dit « The table is tilted for the game is rigged », la table est penchée, donc normalement la justice est en équilibre. Là, la table est vraiment penchée, ça veut dire si vous jouez au baby-foot avec un baby-foot penché, vous avez moins de chances de gagner si vous êtes du côté en bas que du côté en haut. C'est exactement ce qui se passe en ce moment.
Voilà, donc j'invite, je sais, à la limite, on doit être, je sais pas, difficilement établir un chiffre, je pense, probablement 100 000, 200 000 en France, les 60 millions d'habitants, à suivre un petit peu, et encore, on ne peut pas être partout. En tout cas, toujours est-il que tout est pourri, ça tout le monde le sait, maintenant, dans un niveau tel que personne ne peut l'imaginer. Voilà, le pouvoir de l'argent, donc on n'est pas en démocratie, comme dit George Carlin, don't complain about politicians, they are irrelevant. Politicians are just there to give you the illusion that you have freedom of choice, you don't have choice. Donc il est en train de dire que nous sommes des esclaves, et c'est exactement ce qui se passe. Les gouvernements nous ont réduits à l'esclavage en nous embêtant, en embêtant nos générations, en nous rendant addict à la consommation via les crédits revolving qui sont de la création monétaire ex nihilo à partir de rien. Donc il y a aussi destruction monétaire quand vous avez remboursé la dette, tout ça est très technique. Donc j'ai une plainte qui est partie au 28 juin. Je n'attends pas grand chose de la justice, même si on peut pas dire que. On ne peut pas mettre tout le monde dans un même sac. Il y a des très bons juges. On a le juge Renaud Van Ruinbeke, on a Eva Joly, on a des grandes secondes comme ça qui ont encore des valeurs, c'est pas tous, des Gilbert Azibert, le juge qui a tenté de corrompre Nicolas Sarkozy. Voilà, donc je ne répondrai plus au téléphone, je n'écouterai plus non plus les messages, je m'en servirai juste pour appeler. Si vous avez quelque chose à me dire, philippestocker@gmail.com. Fini. Le gouvernement français a un contrat de quelques 200 millions avec Microsoft, et Microsoft et Gmail, ça se tient. N'importe qui peut savoir, sur simple dérogation d'un juge, ce que vous écrivez via les Gmail, Hotmail et tout ça. Donc c'est très très risqué. Je vous invite à utiliser ProtonMail. C'est chiffré de bout en bout. philippestocker@protonmail.com. C'est d'ailleurs la messagerie qu'utilise François de Siebenthal, l'adresse mail de François de Siebenthal, c'est siebenthal@protonmail.com. ProtonMail est un serveur de courriel, donc de mail, qui est en Suisse. Donc là, c'est la sécurité ultime. Normalement, il est complotiste, Philippe Stocker. Je ne pense pas qu'on lise mes mails, parce que les mails sont lus par les algorithmes. Donc sous Gmail, si vous écrivez à une société d'assurance et tout ça, Gmail se rend compte que vous voulez vous assurer, va vous mettre à côté de la pub via les cookies pour vendre. It's consumption, the new national pastime, fuck baseball. Did you remember the last time we had war with white people? The Germans, they want to dominate the world. That's our fucking job in the world. Bullshit. Pow, pow, bombing people, especially if they are brown. George Kahn, c'est un être exceptionnel. It's corruption. They have, since a long time, corrupted the Senate, the Congress, the city halls, the state houses. They have the judges in the back pocket. Bonne journée à vous. Attention, il se fait vieux. Philippe Stocker va avoir 60 balais.